Et yo les potes, me revoilà, Jordi MP4. Aujourd'hui petite vidéo assez sympa. Attendez, désolé. Voilà, tac, voilà. Petite vidéo assez sympa. Aujourd'hui, je suis sur un jeu mobile. Je pense que quand vous regardez le titre de la miniature, je vous présente ce jeu mobile qui est un peu à mon style, qu'il s'agit d'un jeu de cartes. Un jeu de cartes où vous devez débloquer des cartes directement. Alors avant qu'on commence la petite vidéo, je voulais vous informer. Voilà. Cette vidéo a été tournée bien avant. J'ai eu un petit problème avec mon appareil photo qui n'a pas voulu enregistrer mon facecam. Là aujourd'hui c'est bon, ça enregistre directement. Et je sais que vous allez dire « Ouais, mais pourquoi tu l'as pas fait avant ?» C'est parce que j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, je pense que ma chaîne YouTube a baissé. Voilà, je suis passé de 99. C'est pas grave. Vraiment, je pense qu'au moment, les gens ne me voient pas active en permanence. Ça veut dire que pour eux, je suis peut-être pas trop intéressé. J'essaie aujourd'hui de vous proposer plusieurs trucs. Déjà, je pense que sur Instagram, comme vous voyez, ça s'affiche. J'ai acheté un appareil qui va me permettre de streamer ou de faire des vidéos à l'extérieur. Plus besoin de me présenter avec mon appareil photo, mais avec mon écran 10. Et ensuite, on va voir à quoi ça va ressembler ma future chaîne. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire de quoi vous en pensez du jeu. Est-ce que vous êtes intéressé? Déjà, pour vous annoncer, il y aura un lien sur Android et iOS. Vous pourrez le télécharger. Et voilà, voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous à tous et très bonne vidéo, à tout de suite. Voilà, bisous à tous. Et me voilà, les amis. Alors, actuellement, comme vous êtes en train de voir, je suis en train de lancer un recherche. Alors, là, actuellement, je vais cliquer sur la petite flèche, ça va faire gratuit. Alors, actuellement, les trucs comme ça sont pas gratuits. Des fois, ça coûte que 15 euros, mais moi, je les active jamais. Voilà, je les utilise jamais pour ça, sauf pour les cartes. Là, vous pouvez voir qu'il y a toute la petite boutique qui est spécialisée. Vous pouvez directement choisir même de voir toutes les répliques que vous pouvez avoir pour améliorer les monstres. C'est très simple. Vraiment, c'est très simple. Il faut faire des games. Soit vous les achetez en boutique, soit vous les avez en récompense, comme là, vous voyez. Actuellement, la carte, là, vous dites... souhaiter d'un cadeau, voilà. Utiliser une carte cadeau de temps d'une fois. Voilà, alors je pense que ça c'est acheté. Là je reçois des pièces. Directement, on retourne sur l'accueil. Là, on va peut-être ouvrir les grosses caisses. Le plus important, moi je vous conseille déjà, n'achetez jamais les trucs que vous pouvez voir juste avant. Les petites cartes roses et violettes. Ça vous permet d'améliorer des monstres. Mais c'est pas le plus important. Là, tout le monde, je vais acheter celui-là. Il faut que je l'améliore. Là, vous voyez, nouvelle récompense. Acheter quelque chose en boutique. Ça, c'est tous les jours. On va aller sur le petit drapeau. Et là, acheter un objet dans la boutique. On fait sélectionner. On le valide. Et là, vous voyez, en haut à droite, il y a une petite flèche. Et là, directement. Alors, soit je les débloque comme ça. Ou soit on les débloque directement là. Je vais bloquer une carte. Ça ne rapporte pas vraiment. En masse, mais par exemple là, match une carte de niveau. Voilà, c'est l'heure que je dois améliorer une carte. Là, il y a gagné 3 parties et jouer un jeton. Alors là, on va aller dans une carte. Voilà. Ça c'est un peu casse-couille à faire. Voilà. Ah bah tenez, regardez, là, je vais l'améliorer. Comme vous pouvez voir, je l'ai de niveau 10. Non, de 13 à 10. Il me faut que 10 points. Il va passer du niveau 4. Après, c'est en fonction du style de carte que vous allez utiliser, les amis. Vous ne pouvez pas les utiliser n'importe comment. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours utiliser plus les petits d'attaque et les gros de bouclier. Parce que les boucliers vont vous permettre déjà d'éviter de vous faire que les ennemis attaquent votre base. Là, comme vous venez de voir, je viens d'avoir la récompense de 3 cartes. Il fallait les améliorer pour avoir 3 cartes directement. Ça me permet d'améliorer mes ennemis. Là, tout le monde, je sais pas pourquoi je recherche un clan. D'accord. Aucune idée, vraiment. Là, comme vous pouvez voir, hein, je suis sur mon téléphone, il n'y a pas le jeu. C'est juste que la vidéo a été tournée avant. Alors là, j'ai reçu 32. Ah oui, boîte de réception. Là, tout le monde nous donne 30 trucs. Allez, est-ce que tu vas te lancer, Jordi, pour ouvrir la caisse de 1500 cartes spéciales? Allez, allez, allez.
Je sais même pas ce que je fais. Alors oui, ah oui, alors dans le drapeau, il y a deux trucs que vous pouvez faire. Il y a des défis à côté. Aux gens, ça vous rapporte 300, 800 diamants, 100 diamants. Bah, pas diamants, mais boules d'énergie, moi j'appelle ça comme ça. Des paquets de cartes. Vous avez chaque défi. Et après, bah, un jour, vous allez réussir. Hein. Voilà. Après, il faut y jouer quand même beaucoup souvent. Parce que si vous ne jouez pas du tout, je pense que vous n'allez pas réussir. Allez, on va voir. Est-ce que mon cher Jordi, qui est en train de filmer avec son téléphone, va acheter les cartes à l'heure. Voilà, j'ai acheté un paquet. Voilà. Ah non, alors là, j'ai acheté, d'accord. Alors, j'ai tout dépensé d'un coup. Je pense que ça fait mal, vraiment. Là, comme vous pouvez voir, voilà. Quand je vous parlais de République, il y a tout ce que vous pouvez. République, Alien et Bête. Voilà, les bêtes, ça vous permet. Alors, les bêtes sont récentes actuellement quand vous regardez cette vidéo. Là, les bêtes sont bien évoluées. Mais actuellement, bah, ils nous demandent d'améliorer. Et juste à côté, il y a Empire. Voilà, Empire. Empire, c'est chaque perso a chaque pouvoir. Ouais. C'est comme les gars d'Overwatch. Quand vous prenez un empire, il a un pouvoir extra. Mais vraiment, quand vous les avez, vous pouvez faire mal. Alors, c'est pour ça qu'aussi, quand vous voyez les petits points en bleu, c'est le boule d'énergie que vous allez dépenser dans chaque game. Ça veut dire qu'en vrai, vous avez une petite barre en bas. Et là, directement, ça va vous permettre d'avoir et tout. Alors, actuellement, comme je regarde ce niveau-là encore, là, tous les mardis, vous avez un mode temporaire. En fait, mode temporaire, vous avez un chargement qui est en haut, qui vous permet d'avoir des diamants. Là, je viens de lancer une game. Je vais vous montrer à quoi ressemble. Alors, ça, c'est pas les niveaux actuels que vous pouvez voir sur ma chaîne, sur mon compte profil. Hein. Voilà. Là, actuellement, chaque fois, il donne des nouvelles cartes. Et là, vous devez vous améliorer. Alors, actuellement, je suis en recherche de partie. Désolé, si c'est un peu long. Là, il n'y aura pas vraiment de code avec un petit son de musique derrière. Là, vous voyez qu'ils sont au niveau 3. Ah non, alors ça, c'est mes cartes. Je me comprends. Et là, comment vous allez voir que ces petites bêtes-là, les aliens, là, eux, c'est des aliens. On peut faire des emojis. Les emojis sont payants avec les diamants. Moi, je les achète pas. Ça sert à rien. Et sinon, je lance des attaques. Alors, regardez. Là, comment j'ai fait pour maintenir ces personnes. J'ai maintenu un bouton. Et après, de l'autre, je vais. Et là, vous voyez, j'ai un fait des petites aliens. Et là, ça va aller. Non, je sais que certains vont dire, ouais, c'est quoi la petite bouche que vous avez. Là, je vais l'utiliser. Regardez comment il prend des bam, bam, mais il fait mal. Et là, il y en a un. Là, vous avez vu comment il fait pas mal. Alors, les petits robots vous soignent. Ensuite, l'autre, il est terminé. Et là, bam. De Jordi impeccable sur votre youtubeur préféré. Ah ouais, regardez le nom de la chaîne. Alors voilà le nom de mon clan, il est sympa, Jordi impeccable. En vrai, j'ai pas de clan, mais je pense que ça peut être ça. Là, je viens de gagner 30 énergie. Voilà, là ça charge en haut. J'ai terminé une petite quête qui est dans le petit drapeau. Bah, je vais le prendre, mais hein, voilà, normal. Même 150, ça vous aide complètement. Et ensuite, bah, on va voir. Alors, ensuite, il y a quoi d'autre à faire sur ce jeu? Voilà. Ah oui, ça c'est la nouvelle version, les amis. Quand vous remportez des victoires, vous avez 10-10. Alors ça fait 10, 20, 30, 35. Si vous avez arrivé à avoir 35 points, ben, là vous pouvez ouvrir tout d'un coup. Je pense que c'est tout simple. J'active, j'améliore. Alors, pour savoir, on peut améliorer directement. Voilà. Même si vous voyez que c'est en jaune, on peut améliorer directement. Ça vous permet de vous en sortir. Alors, en dessous, il y a l'espèce de boussole. Alors, à quoi sert ce petit paquet de cartes? Ça vous aide à améliorer les géants. Alors, vous pouvez en améliorer qu'un seul. Des fois, c'est le nombre de cartes qu'on peut avoir. Alors, même dans l'Empire, on peut les améliorer, mais on les améliore. Alors, les attaques, les rares, on les améliore une seule fois. Les autres, vous pouvez les améliorer par trois. Vous voyez, c'est bien différent. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que eux ils font mal et que les autres, bah voilà. Alors, moi je vous conseille d'améliorer de base les géants, les rares. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir plus d'XP, mais de l'autre côté, vous aurez aussi les petits soigneurs qui pourront vous soigner. Eux, vous les améliorez assez rapidement. Alors, n'améliorez pas les petits robots qui vous soignent, ça sert à rien. Vous devez jouer à votre niveau. Et voilà. Alors ensuite, là, ils nous disent que, vous voyez, on pouvait pas payer.
Je pense qu'ensuite, j'espère que je vais aller ouvrir ma petite boutique. Parce que là, 1500, je pense que de base, j'ouvre que deux. J'ouvre les 900 et les 1500. Les 1500, c'est rare. Là, actuellement, je suis entre, comme vous voyez dans cette vidéo, je crois que je suis à plus de 900 et quelques. Je vais essayer de rouvrir un autre à 1500. Mais n'ouvrez pas celui-là 200, 200, 200, 300. Voilà, ça, c'est de la merde. Ça sert à rien, ça va pas vous permettre de vous améliorer. Là, comme vous pouvez voir en bas, il y a deux violets. Directement pour des paquets. Et voilà. Alors là, un rare. Quand vous voyez en rouge, c'est un rare. Tout simplement. Comme ça, au moins, vous savez, vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah, mais attends, comment ça se passe pour avoir ce style de paquet ?» Allez, il va cliquer directement. Allez. Allez, voilà. Là, il commence à ouvrir. Et là, comme vous pouvez voir, bah, directement, il y a ce... ça c'est une bête, je crois, ouais, c'est une bête. Alors, quand vous ouvrez des paquets, ça améliore dans tous les styles de monstres. Vous n'avez pas ouvert un paquet pour avoir seulement des empires, mais ça améliore tout. Sauf les cartes que vous n'avez pas débloquées. Quand vous avez un cadenas, bah, ça peut pas, vous pouvez pas vous débloquer. On peut, mais c'est un peu rare. Par exemple, regardez dans les petits dragons que vous trouvez en haut, c'est dans les empires. Mais voilà, c'est un peu rare de débloquer les autres. Voilà. Ouais, vraiment, c'est... Voilà, la tactique directement. Et voilà, mes amis, directement, j'ai fait passer. Oui, c'est peut-être un peu long. Actuellement, je suis en train de travailler sur la vidéo. Je pense que quand vous regardez là, bah, je vais la travailler juste ensuite pour essayer de la mettre le plus rapidement avant qu'on passe la nouvelle année. Déjà, pour que je vous souhaite, avant, parce que je pense qu'il n'y aura pas d'autres vidéos, je vous souhaite une bonne et joyeuse Noël. J'espère que vous allez être gâtés, voilà, comme moi. Aujourd'hui, j'ai été sur des petits produits, ce que vous avez vu sur Insta. Et on va voir ensuite. Et je pense que dans l'avenir, il y aura d'autres nouvelles vidéos à l'extérieur. Et on va voir ça directement. Voilà. Alors là, je viens de lancer un petit match. Là, vous êtes en train de voir. Comme ça, vous voyez comment je joue de base. Là, cette fois, il n'y aura pas le mode avec les petites consoles. Alors, voilà, comme vous avez pu voir, je maintiens un bouton. Ça, je pense que le style de mode de jeu, je vais vous proposer des fois comment faire une guerre. Et voilà. Alors là, actuellement, comme vous êtes en train de voir, je suis en train de tout garder. Pourquoi? Parce que ça me permet de dire, bah voilà. Alors, regardez, les petites années vont être là. Tac, 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 tac. Alors, je sais pas si je vais gagner, mais voilà, je vais en sortir. Ah, les petites années. Là, ils vont foncer. Je vais attendre. Là, il faut éviter de lancer directement. À vous de réfléchir quand vous jouez le jeu. Je pense que dans le lien, on va je pense que je suis pas du tout parler de ce jeu. Alors, on va voir chaque information. Là, vous voyez qu'il y a du niveau 5. Si je lance les deux, ça va faire mal. Vraiment, ça va faire mal. Là, il y a plus de 15 minutes de double XP. Là, je vais lancer déjà le méga. Parce que le méga il a plus de vie. Et là, tac, bam, là je le tue. Là je l'utilise. Voilà. Allez, alors oui, désolé pour le joueur Harry Potter. Je sais quel point il veut ce jeu-là. Et là, je vais lancer mes petits robots. Là, il va soigner. Ma plus c'est. Voilà, rien. Bah oui, parce qu'en même temps c'est moi qui joue. Bon allez les amis, ce sera la fin de ma petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et dites-moi au cas où, si certains d'entre vous est déjà dans un clan, si vous voulez m'ajouter, vous pouvez. Il faut juste marquer votre clan en commentaire. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Voilà. Allez, je vous fais des bisous à tous. À très bientôt tout le monde. Et ciao, bye bye.